Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, je vous propose quelques réflexions vraiment sans prétention, sinon celle d'alimenter votre méditation sur Saint Joseph en cette fête, en cette solennité que nous vivons dans un contexte un peu particulier de confinement, mais cela ne nous donne que plus de temps pour méditer sur cette belle figure. En même temps, je ne peux pas vous parler de Saint Joseph sans vous parler de la Vierge Marie et de Jésus, puisqu'il est impossible de séparer ce que Dieu a uni. Nous essaierons plutôt de voir pourquoi le Seigneur les a rassemblés. Nous l'avons compris, c'est bien sûr le mystère de l'incarnation qui est au cœur du mystère de Nazareth. Puisque Dieu voulait assumer notre humanité pour la purifier, pour réparer tous les manquements d'amour que nous avions accumulés, qui nous avaient séparés de Dieu, et pour qu'ainsi nous puissions de nouveau devenir participants de la nature divine, il fallait que le Verbe, le Fils unique du Père, assume notre humanité, qu'il prenne chair de notre chair. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, disait saint Irénée. Alors, nous savons que la grâce de la conception immaculée de la Vierge Marie est un privilège unique, j'hésite à le dire parce que certains docteurs diront qu'il est partagé avec Saint Joseph, mais c'est une autre question. C'est donc un privilège en vue de cette maternité divine, et nous savons aussi, quand je dis nous savons, ça veut dire que cela fait partie de notre bagage théologique, nous savons que cette grâce découle de la croix de son Fils, de notre Seigneur Jésus. Nous sommes rachetés, Marie est préservée dans tout son être du péché et de ses conséquences. Si bien qu'elle a bénéficié de manière surabondante de la grâce, de la rédemption, de la miséricorde donc divine. Et c'est bien parce qu'elle est préservée de tout péché, immaculée dès le premier instant de sa conception, que son corps ne connaîtra pas la corruption et les deux dogmes de l'Immaculée et de l'Assomption s'articulent bien sûr l'un sur l'autre. Sa chair est la chair toute pure de son Fils. C'est la même. Et de même que Jésus est entré dans la gloire avec cette chair qu'il a reçue de la Vierge Marie va le rejoindre dans son corps, dans cette même chair qui, à la fin de son parcours terrestre, sera elle aussi divinisée. Dieu a donc choisi la Vierge Immaculée pour tisser dans son sein l'humanité sous laquelle il voilerait sa divinité pour pouvoir s'approcher de nous sans que la mort n'en résulte, comme dans la première alliance, mais s'approcher de nous, nous parler de personne à personne, de visage à visage, de cœur à cœur. La Vierge Marie a conçu, disons-nous, dans le credo, par l'opération du Saint-Esprit. Relisons plutôt le texte biblique. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Saint, il sera appelé Fils de Dieu. On ne se lasse pas et on ne finit pas de méditer ces quelques versets qui nous parlent de l'incarnation. L'incarnation, pardon, ce que je dis est un peu grossier, mais c'est pour me faire comprendre, n'implique pas que l'Esprit Saint aurait pourvu aux gamètes masculines nécessaires pour concevoir un enfant dans le sein de la Vierge Marie. L'enfant, quel qu'on soit, est 100% issu de sa chair, de la Vierge, et de nul autre. Elle est l'unique et direct associé de l'Esprit Saint dans la conception de cet enfant. Et c'est pleinement et uniquement par elle que le Verbe s'inscrit dans notre humanité charnelle. À ce niveau, nul besoin de Saint Joseph. Saint Joseph sera nécessaire pour l'inscrire dans la lignée davinique de sorte que Jésus accomplisse les Écritures, mais pas pour la conception. Et comme les dons de Dieu sont gratuits, ainsi que ses appels, et sans repentance, Romains 11, 29, c'est encore et toujours par Marie que Jésus vient au-devant de chacun de nous. Jusque-là, pas besoin de Saint Joseph.
Nous disons dans les litanies de Lorette que Marie est la porte du ciel. Ce ministère de porte du ciel lui fut confirmé du haut de la croix, lorsque Jésus, désignant le disciple bien-aimé, en qui il voyait tous les disciples qui s'uniraient à lui par une foi aussi parfaite que possible, il lui dit à Marie, « Femme, voici ton fils, puis aux disciples, voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En prenant Marie chez lui, le disciple prend par le fait même Jésus dans l'intimité de son cœur. Car le ministère de la servante du Seigneur est précisément de nous donner son Fils. Son privilège central, c'est la maternité par laquelle elle donne Jésus au monde, entendez, à tous ceux qui veulent bien l'accueillir, à tous ceux qui deviennent dans cet accueil fils du Père Céleste. Mais dites, n'est-ce pas précisément ce que fit Saint Joseph, bien avant le disciple bien-aimé? Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Joseph, on pourrait dire, obéit anticipativement à l'invitation de Jésus qu'il adressait du haut de la croix à Marie et aux disciples. Il prend Marie chez lui, ce qui signifie qu'en toute vérité, il est le premier disciple bien-aimé de Jésus, qui, obéissant à la parole de Dieu, pour Saint Joseph intérieur et par la voix de l'ange, pour le disciple au pied de la croix par la voix de Jésus lui-même, obéissant donc à la parole de Dieu, prend chez lui la mère de l'enfant, comme tous les disciples que nous sommes invités, appelés à devenir, nous avons aussi à prendre chez nous la mère de l'enfant pour qu'elle nous donne son enfant. Du coup, ce rapprochement entre Saint Jean, entre le disciple que Jésus aimait et Saint Joseph, éclaire le mystère de l'incarnation. Une action divine ne devient révélation que lorsqu'elle est accueillie par ceux à qui elle était destinée. Autrement, elle demeure dans l'ombre, nous n'accédons pas à son contenu. Théologiquement, le terme révélation implique que le destinataire l'ait recueilli, reconnu, recueilli, accueilli. Eh bien, Joseph représente l'humanité pour qui le Verbe s'est fait chair, à qui il veut se donner, mais l'humanité qui accueille pleinement la révélation divine, qui discerne dans son épouse enceinte l'action de Dieu, qui discerne que l'heure de la venue du Messie est venue. Nous connaissons comment, par respect pour l'œuvre de Dieu, il veut se retirer. Il faut que l'ange le confirme, ne crains pas. Tu as bien discerné la présence de Dieu, mais prends ta place dans ce mystère de l'incarnation. Mais donc Saint Joseph a pleinement accueilli le don de Dieu, donc il permet à l'incarnation de devenir révélation de l'amour de Dieu pour nous. Et cela, c'est ce que nous continuons tous dans notre action de foi, bien sûr. Pour ce faire, pour que cette révélation soit pleinement accueillie, regardons donc, puisque nous sommes tous invités à reconnaître l'œuvre de Dieu comme révélation pour nous, puisque Dieu se révèle en se donnant. Dei Verbum, constitution dogmatique sur la parole de Dieu du Concile. Si Dieu se révèle en se donnant, il faut donc que je l'accueille pour que cela soit vraiment la révélation. Et il faut donc que Saint Joseph prenne la Vierge Marie chez lui, pour qu'ils ne deviennent plus qu'une seule âme et un seul esprit. Et c'est dans cette communion intime que Dieu peut se donner, que la révélation est accueillie. C'est au cœur de cette chaste union que Joseph reçoit l'enfant de la promesse qu'il est chargé ensuite de présenter et de conduire au monde. Tout comme Joseph à son exemple et à sa suite, tout disciple est invité à s'unir intimement à la Vierge Marie pour ne former avec elle
qu'un seul cœur, un seul esprit, afin de recevoir de cette Mère Sainte l'enfant divin qui a pris chair en elle. Il n'y a d'autre moyen d'accueillir la révélation qu'en accueillant celle qui précisément est chargée de nous offrir cet enfant qui vient de Dieu. Donc nous regardons un peu plus près Marie et l'Église. Je viens de souligner l'importance de cette médiation maternelle de la Vierge. Cependant, l'importance de cette médiation ne doit pas nous égarer. Marie ne se trouve pas entre le Christ et l'Église. Elle ne forme pas un ordre à part où elle serait en partie du Christ et en partie de l'Église. Vous auriez Dieu, le Christ, Marie, l'Église. Non. Et dans son ouvrage « La femme et sa destinée », sœur Marie-Bénédicte de la Croix, alias Edith Stein, écrit « L'Église est l'humanité rachetée, nouvellement créée dans la substance même du Christ. C'est la cellule primitive de cette humanité rachetée. La cellule primitive de cette humanité rachetée, c'est Marie. C'est en elle que s'accomplit pour la première fois la purification et la sanctification par le Christ, et c'est elle la première qui fut remplie du Saint-Esprit. Avant que le Fils de Dieu naquît de la Sainte Vierge, il créa cette Vierge pleine de grâce, et en elle, et avec elle, l'Église. C'est pourquoi, créature distincte de lui, elle se tient à ses côtés, bien qu'indissolublement liée à lui. Marie, eh bien, de notre côté, elle se situe dans l'Église comme à la source même de l'Église, réalisant dans sa personne la perfection d'épouse qui s'est présentée au Christ son époux sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Vous avez reconnu que je viens de citer Éphésiens 5, 27. Comblée de grâce, elle est du côté du corps dont le Christ est la tête. Et comme le dit le Concile, elle est, je cite, membre du corps et le membre suréminent. Vous savez que c'était tout un débat conciliaire. Faut-il faire un document séparé sur la Vierge Marie, ou faut-il l'intégrer dans le document Lumen Gentium sur l'Église? Et vous sentez l'importance du choix. Si vous mettez un document séparé, on parle de l'Église, etc., et de Marie, elle est comme quelqu'un de distinct, distinct bien sûr de la Trinité, mais distinct de l'Église. Et le Concile, les Pères ont opté de l'inscrire à l'intérieur même de la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium. Première dans l'ordre des rachetés, elle demeure notre modèle par sa docilité à l'Esprit Saint et la plénitude de son accueil de la grâce. Elle est mère du Fils, mais n'oublions pas que nous avons tous à participer à ce mystère. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main vers ses disciples, Jésus dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Nous avons tous à participer à la construction du grand corps, du corps total du Christ, par notre accueil de la grâce divine dans la foi. Alors venons justement à cette constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium. Lisons quelques lignes, c'est pas forcément facile, mais comme nous avons tout le temps, on va quand même essayer de scoltiner quelques versets de ce document. Vous avez vu la problématique, hein, c'est la position de Marie dans l'Église. Et si je m'arrête, c'est parce qu'effectivement, on va le redire, c'est un document conciliaire très important sur la mariologie. Cependant, si l'Église, en la personne de la Bienheureuse Vierge, atteint déjà à la perfection sans tache ni ride, les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté
par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie, exemplaire de vertu, qui rayonne sur toute la communauté des élus. Communauté dont elle est la première. En se recueillant avec piété dans la pensée de Marie, qu'elle contemple dans la lumière du Verbe fait homme. L'Église pénètre avec respect plus avant dans le mystère suprême de l'incarnation et devient sans cesse plus conforme à son époux. C'est donc à la lumière du Christ ressuscité que nous contemplons le mystère de Marie. Vous voyez la prudence du Concile, hein ? D'ailleurs, c'est de la bonne théologie, forcément. Nous lisons tous les actes de Dieu à partir de cet accomplissement en Christ. Donc, la grâce qui a choisi Marie, c'est en vue de l'incarnation. Donc, nous pouvons bien comprendre le mystère de Marie qu'à partir de la lumière plénière du Christ ressuscité, de la rédemption de l'humanité. Et là, nous inscrivons alors la place de Marie au cœur de l'Église. Toujours ce souci d'inscrire Marie dans le mouvement total de l'œuvre de Dieu, une seule action divine, économie divine, pour qu'elle ne soit pas isolée en dehors. En effet, intimement entrée dans l'histoire du salut, Marie rassemble et reflète en elle-même, d'une certaine façon, les requêtes suprêmes de la foi. Et lorsqu'on la prêche et l'honore, elle renvoie les croyants à son Fils et à son sacrifice, ainsi qu'à l'amour du Père. Alors on a le mouvement retour, comme aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, où Marie renvoie vers Jésus. L'Église, à son tour, poursuivant la gloire du Christ, se fait de plus en plus semblable à son grand modèle en progressant continuellement dans la foi, l'espérance et la charité, en recherchant et en accomplissant tout la divine volonté. Donc la finalité de l'Église, c'est de s'unir pleinement au Christ, et pour y arriver, on contemple celle qui la première a vécu cette union parfaite. On contemple Marie parce qu'elle est le paradigme de l'Église, et parce qu'en nous unissant à elle, nous sommes sûrs de prendre le comportement, l'attitude qu'il faut pour pleinement rentrer dans le mystère de notre rédemption. Elle est notre modèle dans la foi, l'espérance et la charité. Elle ne nous détourne pas du Christ, elle nous permet de mieux comprendre le mystère du Christ, d'entrer dans le mystère et d'en vivre. Je crois que c'est quand Jésus du haut de la croix dit aux disciples « Voici ta mère » et qu'il l'a pris chez lui, c'est son testament spirituel, c'est que nous avons besoin de la Vierge Marie pour entrer dans le mystère. Elle a à nous enfanter dans cette naissance nouvelle, dans ce mystère. Alors, le parallèle, bien sûr, avec quand Jésus dit « Il est bon pour vous que je m'en aille, sans quoi l'Esprit Saint ne viendra pas », je crois que nous pouvons légitimement faire le parallèle et que Jésus nous dit de prendre Marie comme mère, la pleine de grâce, puisque l'Esprit Saint dont elle est comblée, à travers elle, en elle, par elle, nous conduira dans la vérité tout entière. Qui parle de Marie, parle de l'Esprit Saint, comme dirait le Saint-Père Kolb, que Marie est transparence de l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans l'exercice de son apostolat, l'Église regarde à juste titre vers celle qui engendra le Christ, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie précisément, afin de naître et grandir aussi par l'Église en le cœur des fidèles. Si nous avons à faire naître le Christ dans le cœur des fidèles, nous avons intérêt à regarder la Vierge Marie pour voir comment elle fait, puisque c'est elle qui la première fait naître le Christ au monde, l'accueille dans son cœur et la fait naître au monde. La Vierge a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, coopèrent pour la régénération des hommes. Et si nous voyons un autre point que je ne développe pas ici parce qu'on l'a déjà fait, l'insistance de Benoît XVI sur la maternité de l'Église, où il dit, vous rappelez ce passage qu'on a commenté dans ce, qu'on doit faire attention que
l'Église ne soit pas uniquement une institution gérée par des hommes, les prêtres, les évêques, les cardinaux. Attention de ne pas masculiniser le mystère de l'Église. Elle est d'essence, l'essence même de l'Église, c'est d'être l'épouse et la mère. Donc c'est important de garder cette polarité, car toute l'Église est au service de l'enfantement du monde nouveau, mais c'est la Marie qui est notre modèle pour l'enfantement du Christ et du royaume qui vient. Donc cette dimension de maternité virginale de l'Église, à l'image de la maternité virginale de Marie, est très importante pour éviter toute déviation vers une sorte de formalisme ou d'institutionnalisme. Alors, comme Marie, le disciple, donc comme Saint Joseph, je ne l'oublie pas, s'unit à l'Église, ne faisant qu'une seule âme et un seul corps avec elle. Donc, vous voyez, si je parle de Marie, je parle aussi de Saint Joseph, puisqu'il est le premier à avoir vécu cette union intime de Saint Joseph, qui est le modèle de l'attitude que nous voulons tous avoir si nous voulons être d'Église. Ça, c'est curieux. Il faut donc, comme Joseph, s'unir à Marie pour être d'Église. Pressant déjà un peu mieux cette place originale de Saint Joseph dans ce mystère de l'incarnation. Il nous donne le modèle de l'attitude de tout disciple, fils de l'Église, consacré au Seigneur. Le pape Benoît XVI confirme sur la dévotion à Marie qu'elle est un moyen essentiellement ordonné à l'orientation des âmes vers le Christ et à leur union au Père dans l'amour de l'Esprit-Saint. Voilà, c'est encore de nouveau cette insistance par Marie vers Jésus. C'est vers Dieu que nous allons, c'est toute la doctrine aussi de Saint Louis Grignon de Montfort, comme vous savez bien. En effet, celui qui voudrait recevoir la force du Saint-Esprit pour s'attacher au Christ sans passer par la Vierge Marie, se fait illusion. Le but, c'est bien nous attacher au Christ, et pour ça nous avons besoin de l'Esprit Saint. Vouloir passer par un autre chemin ou nous passer d'elle, c'est une illusion, c'est impossible. Et c'est bien, puisque Jésus dit « Voici votre mère », c'est une parole du Christ que j'explicite là. C'est impossible, il n'y a pas d'autre moyen. Alors regardez ce que dit le Père Manteau, bon ami, « Tout homme de bonne volonté qui vit du Christ, même sans le savoir, fait partie de l'âme de l'Église et reçoit donc de la puissance maternelle du Saint-Esprit par le cœur de la Vierge toutes les grâces nécessaires à son salut. » Par le cœur de la Vierge, qu'il le sache ou qu'il ne sache pas. Venons-en encore, hein, approfondissant encore ce très beau mystère et si important pour nous, puisque les chemins vers Dieu. Marie, mère de l'Église, vous savez que c'est un titre qui lui a été donné par Paul VI durant le Concile Vatican II. Puisque je suis sur le sujet, j'en profite pour approfondir un petit peu ce thème. C'est celui que nous abordons. Nous sommes le 21 novembre 1964. Paul VI va promulguer le document conciliaire, un des deux documents les plus importants, me semble-t-il, avec Dei Verbum, Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église. Et c'est là qu'il va prendre l'initiative, assez prenant les pères au dépourvu, ce n'était pas inscrit sur l'agenda, de proclamer Marie, mère de l'Église. Alors on va citer un large extrait de ce discours, parce qu'il est peu connu et pourtant il est important. Cette déclaration est importante, comme nous allons le voir. Avec la promulgation de la Constitution qui a comme sommet et couronnement tout un chapitre dédié à la Vierge, il est tout à la fin de la Constitution, nous pouvons à juste titre affirmer que la présente session se conclut par un hymne incomparable de louange en l'honneur de Marie. C'est en effet la première fois qu'un concile œcuménique présente une synthèse si vaste de la doctrine catholique sur la place que Marie, très sainte, occupe dans le mystère du Christ et de l'Église. Cela correspond au but fixé par ce concile de manifester le visage de la Sainte Église à qui Marie est intimement liée et, comme on l'a magnifiquement affirmé, dont elle est la porte
Massima portio, optima portio, electissima. Voyez de nouveau l'intention, hein? C'est ne pas séparer Marie de l'Église, c'est de manifester le visage de l'Église à qui Marie est intimement liée. En vérité, la réalité de l'Église ne s'épuise pas dans sa structure hiérarchique, sa liturgie, ses sacrements, ses ordonnances juridiques. Son essence profonde, la source première de son efficacité sanctificatrice, sont à rechercher dans son union mystique avec le Christ. Union que nous ne pouvons concevoir en faisant abstraction de celle qui est la mère du Verbe incarné et que Jésus-Christ a voulu si intimement unir à lui pour notre salut. Voilà pourquoi c'est dans la vision de l'Église que doit s'insérer la contemplation aimante des merveilles que Dieu a opérées en sa Sainte Mère. Et la connaissance de la véritable doctrine catholique sur Marie constituera toujours une clé pour la compréhension exacte du mystère du Christ et de l'Église. C'est beau, hein? C'est bien l'articulation des trois pôles, hein? Dieu, l'Église, Marie, c'est bien Marie au cœur de l'Église qui est le modèle de notre union à Dieu, de cette union mystique, de cette communion intime dans l'Esprit qui doit être l'attitude de toute l'Église et donc de chacun d'entre nous. Mais le pape donc ne s'en tient pas là, et à la surprise de certains, à la joie de beaucoup de pères conciliaires, il va donc proposer d'invoquer Marie sous le titre de mère de l'Église. La réflexion sur ces rapports étroits entre Marie et l'Église, si clairement établis par la constitution conciliaire, nous persuade que ce moment est le plus solennel et le plus approprié pour satisfaire un vœu auquel nous avions fait allusion à la fin de la session précédente et que de très nombreux pères conciliaires ont fait leur, demandant instamment que soit explicitement déclarée pendant ce concile la fonction maternelle que la Vierge exerce envers le peuple chrétien. Dans ce but, nous avons cru opportun de consacrer dans cette séance publique un titre en l'honneur de la Vierge, suggéré de divers côtés dans le monde catholique et qui nous est particulièrement cher parce qu'il synthétise admirablement la place privilégiée reconnue par ce concile à la Vierge dans la Sainte Église. C'est donc pour sa gloire et pour notre réconfort que nous proclamons la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, que nous l'appelons mère très aimante, et nous voulons que dorénavant, avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Remarquons bien que pour introduire ce titre, le pape n'a pas sollicité un décret synodal. Il l'a fait de sa propre autorité pontificale. Alors même si on ne peut pas y voir un article de foi, une définition de foi stricto sensu, il reste que, vu le cadre solennel dans lequel elle a été proclamée, cette proclamation revêt une importance plus qu'ordinaire. Jean-Paul II n'hésitera pas à mettre en parallèle le titre Marie, mère de l'Église, avec Marie, mère de Dieu, définie par le Concile d'Éphèse. Alors, Paul VI remarque, cependant, il s'agit d'un titre vénérable frère qui n'est pas nouveau pour la piété chrétienne. Forcément, il n'aurait pas pu le promulguer. C'est même de préférence ce nom de mère que les chrétiens et toute l'Église aiment invoquer Marie. Ce titre, en vérité, appartient à l'authentique substance de la dévotion à Marie, trouvant sa justification dans la dignité même de la mère du Verbe incarné. Mais vous savez que le pape ne peut rien définir comme étant de foi sans vérification que cela fait partie du sensus fidei, je dirais par le sens de la foi des fidèles répartie partout dans le monde, puisque c'est là qu'est incarnée vraiment l'infaillibilité. Et le pape précise, de même que la maternité divine est le fondement, ici, lisons bien parce que c'est lui-même qui fait le parallèle
avec le concile d'Éphèse, et puis je vais essayer de montrer dans un petit schéma le parallélisme très strict qu'il instaure. De même que la maternité divine est le fondement de la relation spéciale de Marie avec le Christ et de sa présence dans l'économie du salut opérée par le Christ Jésus, de même elle constitue le fondement principal des rapports entre Marie et l'Église, car elle est mère de celui qui, dès depuis le premier instant de l'incarnation dans son sein virginal, s'est uni en tant que chef son corps mystique à l'Église. Marie, donc, en tant que mère du Christ et mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, c'est-à-dire de l'Église. Je crois que le petit schéma permettra de mieux voir. Alors, vous avez les majuscules en rouge, sont autre chose, c'est pour marquer l'épaule. Donc, il y a la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu. Alors, nous venons de lire, de même que la maternité divine, lisez la colonne de gauche, est le fondement de la relation spéciale de Marie et de l'Église. Voyez, maintenant nous lisons en droite, de même, la maternité divine constitue le fondement principal des rapports entre Marie avec le Christ. Vous voyez le parallèle entre le mystère du Christ, mystère de l'Église. Et puis les deux se rejoignent et de sa présence dans l'économie du salut opérée par le Christ Jésus, car elle est mère de celui qui, depuis le premier instant de son incarnation, dans son sein virginal, je sépare de nouveau, s'est uni en tant que chef, son corps mystique, qui est l'Église. Vous voyez, cette très belle articulation du rôle de la Vierge Marie, mère de Dieu, donc elle est mère du Christ, et mère de Dieu en étant mère du Christ, et mère de l'Église, les deux s'articulant admirablement dans le projet de salut de notre Dieu. En développant cette doctrine mariale, dans le contexte d'un concile œcuménique, vous imaginez bien que le pape a aussi voulu insister à l'intention de nos frères séparés qu'il n'y avait pas là une quinconque mariolatrie. D'ailleurs, je crois que dans le développement qu'il a fait, c'est déjà clair. Mais il va encore enfoncer le clou en insistant sur le caractère foncièrement théocentrique et christologique de la mariologie, qui est finalement orientée vers la Trinité. Toujours Paul VI. Par-dessus tout, nous désirons qu'on fasse clairement ressortir comment Marie, humble servante du Seigneur, est tout entière ordonnée à Dieu et au Christ, unique, notre unique médiateur et rédempteur. Nous désirons également que soit bien montrée la vraie nature et les buts du culte marial dans l'Église, spécialement là où se trouvent de nombreux vers séparés, de façon que tous ceux qui ne font pas partie de la communauté catholique comprennent que la dévotion à Marie, loin d'être une fin en elle-même, est au contraire un moyen essentiellement destiné à orienter les âmes vers le Christ et ainsi à les unir au Père dans l'amour du Saint-Esprit. Voilà, le dernier mot est à la Trinité. Revenons à Saint-Joseph. Voyez, c'est un va-et-vient, comment vous le faire autrement que, puisque Dieu les a unis, que leurs cœurs ne font qu'un, on est obligé de passer de l'un à l'autre, mais on reste toujours dans la vision d'ensemble. Saint Joseph, modèle du disciple bien-aimé, c'est ce que nous développons depuis le début, modèle de la disposition qui devrait être la norme. Alors voyons comment Saint Joseph a vécu cette disposition. Ce qui frappe, c'est l'absolu silence de Joseph dans les évangiles de l'enfance. Certes, il y a un motif théologique évident. Ce silence est à l'image du silence du Père des cieux, dont il est le reflet. Ce Père des cieux qui ne parle que par son Fils, par la bouche de son Fils, par l'offrande de son Fils. Saint Joseph, reflet de la paternité divine, ne peut parler que par la bouche de son Fils, par l'offrande de son Fils, lui aussi. Voyons ce que Jean-Paul II nous dit sur le silence de Saint-Joseph. Le silence de Saint-Joseph a une portée particulière. Oh, insiste, c'était Jean-Paul II, mais laissez tomber. Grâce à lui, on peut saisir pleinement la vérité contenue dans le jugement que l'Évangile émet sur Joseph, le juste. Il faut savoir lire cette vérité, car en elle est contenu l'un des témoignages les plus importants
sur l'homme et sur sa vocation. Le juste ici, Saint Jean-Paul II veut dire celui qui est parfaitement ajusté au Père des cieux et donc qui vit cette paternité à l'image de celle du Père des cieux, donc dans le silence, puisque la parole s'incarne. Voyons ce que dit Saint Benoît XVI, ce grand dévot de Saint Joseph. Le silence de Saint Joseph est un silence empreint de contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de disponibilité totale aux volontés divines. En d'autres termes, le silence de Saint Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, mais au contraire, la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur et qui guide chacune de ses pensées et chacune de ses actions. On pourrait dire, puisque ce silence est plein, bien sûr, il est la plénitude de foi, son cœur est totalement ajusté à la pleine de grâce qui vit cette foi parfaite et qui, dans cette foi parfaite, peut accueillir le Fils. Donc Joseph s'unit totalement à la foi de Marie pour accueillir le don de Dieu. Benoît XVI continue, un silence grâce auquel Joseph, à l'unisson avec Marie, nous y voilà, conserve la parole de Dieu connue à travers les Saintes Écritures en la confrontant en permanence avec les événements de la vie de Jésus. Un silence tissé de prières constantes, prières de bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et de confiance sans réserve à sa providence. Et le pape nous invite à nous laisser contaminer par le silence de Saint Joseph. Nous en avons tant besoin dans un monde souvent trop bruyant qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix de Dieu. Cultivons le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie. Fin de citation. Joseph est donc pleinement ajusté à la Vierge Marie. Par là, dans cette plénitude de foi, il rejoint la révélation qui s'accomplit par l'incarnation, mais il rejoint aussi le dessein de Dieu sur lui. Il va, dans cette plénitude de foi, accueillir sa mission à lui. Il n'est pas la même que la Vierge Marie. L'Esprit va pouvoir l'introduire dans la paternité qu'il est chargé d'incarner. Et je crois qu'on peut dire qu'il est tellement ajusté au Père que, paraphrasant Saint Paul, Saint Joseph aurait pu dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Père des cieux qui vit en moi. » Joseph a vécu une véritable kénose, c'est-à-dire un anéantissement de son moi, simplement humain, pour laisser totalement la place au Père, dont il avait la mission d'être le fidèle représentant. Alors comment, puisque nous regardons quel est son comportement à côté de Marie, de même que Marie est cette plénitude d'obéissance à Dieu, voici la servante du Seigneur, Joseph lui aussi est totalement tourné vers Dieu dans un abandon de tout son être. Il n'y a plus l'ombre d'une volonté propre. Une obéissance instantanée et inconditionnelle. Aucune demande, même pas de clarification. Il ne va pas demander comment cela va-t-il se faire, non. Il accueille pleinement. Quand Joseph se réveille, il fit ce que l'ange du Seigneur lui prescrit. Il prit chez lui son épouse. Joseph se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, il entra dans le pays d'Égypte. Il n'est que obéissance. Obéissance à l'Esprit Saint qui a pu établir pleinement sa seigneurie dans son cœur et le conduire dans sa mission propre. Osons faire un pas de plus. C'est à l'école de Saint Joseph que Jésus a, dans son humanité, bien sûr, dans sa divinité, il est forcément parfaitement obéissant au Père au sens étymologique du terme, puisqu'il est la parole du Père. Mais c'est à l'école de Saint Joseph que Jésus, dans son humanité, a appris l'obéissance, qu'il va vivre et exprimer comme chemin vers Dieu dans toute sa vie publique. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Je ne fais rien de moi-même, ce que le Père m'a enseigné,
Je le dis, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Le Père et moi, nous sommes un. Si nous écoutons, c'est très émouvant de se dire, maintenant, refluons à Nazareth, où Jésus, qui voit son papa dans cette parfaite obéissance envers Dieu, toujours tourné vers Dieu, aussi bien dans l'exercice de la spiritualité juive, mais dans tout ce qu'il fait, voyons bien qu'il a toujours une oreille tendue vers Dieu dans tout ce qu'il fait. Alors Jésus se met à l'école de Joseph, et Jésus devait vivre avec Joseph cette obéissance. Et déjà, il devait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon papa. Tout ce qu'il me demande de le faire, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Et je ne fais rien de moi-même, c'est mon papa qui m'a dit de le faire. Et il est toujours avec moi, il ne me laisse jamais seul, il veille sur moi. Ah, je suis un avec mon papa. Il me semble qu'on ne force pas les choses en relisant à travers Jésus adulte, en remontant jusque dans l'enfance. Alors, cette dernière parole, le Père et moi, nous sommes un. Jésus parle bien sûr d'une une unité substantielle au sein de la nature divine. En tant que fils de Dieu, lui seul est un au sein de la nature divine. On l'a bien compris. Mais, je ne suis pas le seul à dire, je n'oserais pas le dire autrement, je vais surtout citer M. Jacques Ollier, Jean-Jacques Ollier, analogiquement, on peut supposer une unité par grâce, non pas par nature, une unité analogique par grâce entre Joseph et le Père des cieux. C'est sans doute M. Jean-Jacques Ollier qui a le plus approfondi ce thème. Je l'ai déjà développé, mais je vais quand même prendre quelques citations pour rappeler ce que nous avions développé. Je me rappelle, c'était un 1er mai, il y a quelques années déjà, où nous avions approfondi la spiritualité, la théologie, la joséphologie de M. Jacques Ollier. L'admirable Saint Joseph fut donné à la terre pour exprimer sensiblement les perfections adorables de Dieu le Père. C'est osé, hein, parce que qui me voit le Père, c'est Jésus qui dit ça. Et si théologiquement, jamais personne n'a contredit, on n'a pas dit que M. Ollier était hérétique. C'est donc de nouveau au nom de ce regard qui va passer de Jésus adulte, jusque dans l'enfance. Dans sa seule personne, Saint Joseph portait ses beautés, sa pureté, son amour, sa sagesse et sa prudence, sa miséricorde et sa compassion. Vous comprenez qu'il faut bien sûr parler d'analogie, hein ? C'est toujours Dieu. Saint Joseph incarne la beauté de Dieu, mais Dieu n'est pas beau comme Saint Joseph, Dieu est beau comme Dieu seul est beau. D'accord, hein, la voix apophatique. Le Père s'étant choisi ce saint pour en faire sur la terre son image, il lui donne avec lui une ressemblance de sa nature invisible et cachée, et à mon sens, ce saint est hors d'état d'être compris des esprits des hommes. D'où il suit logiquement cette autre considération qui s'adresse à Jésus. Jésus, je ne m'étonne pas si vous demeurez 30 ans entiers dans cette maison sans quitter Saint Joseph. Je ne m'étonne pas si vous vous êtes inséparable de sa personne. Sa maison seule, vous êtes un paradis, et sa maison est pour vous le sein de votre Père dont vous êtes inséparable et dans lesquels vous prenez vos délices éternels. Remarquez, quand on voit l'amour de la Vierge Marie, l'amour de... Ça ne devait pas être facile pour Jésus de quitter le Saint Trinitaire que représente la Sainte Famille, de s'exposer au monde. D'une part, la Sainte Vierge et Saint Joseph voyaient la personne de Dieu en Jésus, je cite M. Ollier, et de l'autre, Jésus regardait en Saint Joseph le Père éternel comme son Père, et la Très Sainte Vierge considérant sa parole en sa personne, le même Père éternel comme son époux. Au XVIIIe siècle, un autre grand auteur, docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, arrive à la conclusion logique de ses considérations de la grandeur de saint Joseph. Grand saint Joseph,
je me réjouis que Dieu vous ait jugé digne d'occuper ce poste éminent où, constitué le Père de Jésus, vous avez vu se soumettre à votre autorité celui dont le ciel et la terre exécutent les ordres. Puisqu'un Dieu voulut vous obéir, moi je veux me mettre à votre service, vous honorer et vous aimer comme mon Seigneur et mon Maître. Si Jésus est le chemin de la vérité et la vie, il nous montre comment nous comporter, eh bien commençons par nous soumettre à la paternité de Saint Joseph, puisqu'il nous donne l'exemple. Obéir à Saint Joseph, c'est obéir au Père Céleste. Telle est la grande leçon que nous donnent Jésus et Marie. D'autant plus que Saint Joseph assume pour nous, comme pour la Sainte Famille, le ministère de paternité, c'est-à-dire il veille sur les besoins spirituels et matériels de la Sainte Famille. Et là, évidemment, inévitablement, je vais relire avec vous ce texte bien connu de Sainte Thérèse d'Avila, mais qu'il est toujours bon d'entendre un jour d'une fête de Saint Joseph. Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommandais instamment à lui. J'ai vu bien clairement que c'est lui, mon père et mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité, comme il m'a tiré également de dangers très grands où il s'agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me l'ait accordé. C'est une chose merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m'a favorisé et les dangers tant du corps que de l'âme dont il m'a délivré par la médiation de ces bienheureux saints. Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que s'il a été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défère également au ciel à toutes ses suppliques. C'est ce qu'ont vu, comme moi, par expérience, d'autres personnes auxquelles j'avais conseillé de se recommander à cet incomparable protecteur. Les âmes de raison en particulier lui doivent un culte tout filial. Je ne sais d'ailleurs comment on pourrait penser à la reine des anges et à toutes les souffrances qu'elle a endurées en compagnie de l'enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph de les avoir si bien aidés alors l'un et l'autre. Que celui qui n'a pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide et il ne risquera pas de s'égarer. » Fin de citation. Selon l'expression de saint François de Sales, Jésus est né à l'ombre du saint mariage de Joseph et de Marie. Marie conçoit à l'ombre de l'Esprit Saint, mais elle enfante à l'ombre de Joseph, sous son toit. Ça, c'est saint François de Sales. Et M. Olieu ajoute, elle conçoit, certes, sous le toit de saint Joseph, mais le toit de saint Joseph, c'est le tabernacle universel de l'Église. Et nous revoilà avec la place de saint Joseph dans l'Église. Il est le tabernacle de l'Église. C'est là que l'Église est protégée, mise à l'abri. C'est bien pourquoi il est le protecteur universel de l'Église. Et c'est en nous unissant à saint Joseph qu'il nous apprend comment nous unir au cœur immaculé de la Vierge pour y découvrir et nous unir au cœur sacré de Jésus qui est dans le sien. Saint Léonard de Port-Maurice, entre parenthèses, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a inventé, le mot n'est pas bon, mais j'en trouve pas d'autre, le chemin de croix. C'était lui. Ils étaient trois, et cependant ils n'étaient qu'un. Un dans une unité si merveilleuse, unité qui de trois ne faisait qu'un, et qui cependant les laissait trois. Honorez donc souvent cette trinité qui fut visible pour nous sur la terre, Jésus, Joseph et Marie. Gravez dans vos cœurs ces trois noms célestes, prononcez-les souvent, écrivez-les partout, Jésus, Marie, Joseph. Avant, ça nous donnait, je ne sais pas, 400 jours d'indulgence. On voit ça encore sur les petites images. Réjouissez-vous, pieux serviteurs de Saint Joseph,
car le paradis est près de vous. L'échelle qui y conduit n'a que 3 degrés, Jésus, Marie et Joseph. Voici comment on monte et l'on descend par cette échelle. En montant, nos suppliques sont d'abord remises entre les mains de Joseph. Joseph les présente à Marie et Marie les donne à Jésus. En descendant, les rescrits émanent de Jésus qui les concède à Marie et Marie les remet à Joseph. Jésus fait tout pour Marie parce qu'il est son fils. Marie obtient tout en qualité de mère et Joseph peut tout en qualité de juste, d'époux et de père. CQFD. Je termine avec, j'avais fait allusion, le patronage universel de l'Église, car le 8 décembre de cette année, nous fêterons le 150e anniversaire de la promulgation du décret de la Congrégation des Rites, par lequel le pape Pie IX déclarait Saint Joseph patron de l'Église universelle. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire subir la lecture de ce décret, je vous ai assez fatigué avec le passage du Concile, je vais plutôt, nous allons lire ensemble une considération que le cardinal Newman fait de ce décret. Joseph épousa l'Immaculée Vierge Marie, de laquelle, par la vertu du Saint-Esprit, est né Jésus-Christ, qui voulut aux yeux de tous passer pour le fils du charpentier et daigna lui être soumis. Celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité de voir, non seulement Joseph le vit, mais il conversa avec lui, il le pressa dans les bras d'une paternelle tendresse, il le couvrit de baisers. Avec un soin jaloux et une sollicitude sans égale, il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme le pain de l'éternelle vie. En raison de ces dignités sublimes à laquelle Dieu éleva son très fidèle serviteur, toujours l'Église a exalté et honoré Saint Joseph d'un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu'elle rend à la Mère de Dieu. Toujours dans les heures critiques, elle a imploré son assistance. Or, dans les temps si tristes que nous traversons, c'est bien de nos jours que l'on parle. Quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités, et que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu le temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle, les vénérables pasteurs de l'univers catholique, en leur nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement prié le souverain pontife qu'il daigna déclarer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Ces prières ayant été renouvelées plus vives et plus instantes durant le Saint Concile du Vatican I, notre Saint-Père Pie IX, profondément ému par l'état si lamentable des choses présentes, et voulant se mettre, lui et tous ses fidèles, tous les fidèles, sous le très puissant patronage du Saint-Patriarche Joseph, a daigné se rendre aux vœux de tant de vénérables pontifes. C'est pourquoi il déclare solennellement Saint-Joseph patron de l'Église catholique. Elle a voulu en outre que la présente déclaration fût faite par décret de la Sacrée Congrégation des Rites, en ce jour consacré à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse du très chaste Joseph. Alors, puisque telle est la décision de notre Mère, la Sainte Église, la sagesse ne nous demande-t-elle pas, en ces temps particulièrement troublés, non seulement l'Église face au monde, mais avec ce virus qui nous empêche de célébrer notre Seigneur comme nous voudrions, de prendre Marie pour mère et Joseph comme pour père, comme Jésus lui-même nous en a donné l'exemple, et de nous mettre ainsi avec une infinie confiance sous l'autorité de ce Père, de ce protecteur de l'Église universelle. Faisons-le en reprenant les mots du pape Léon XIII. Prions ensemble. Nous recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux Joseph. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a acquis de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ.
Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Soyez-nous propices et assistez-nous du haut du ciel, ô notre très-puissant libérateur, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin que, soutenus par votre exemple et votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Amen. Je vous salue, Joseph, vous bénis la grâce divine accomplie, le Sauveur. Bonne fête de Saint-Joseph à tous.